Salut Bégé. Bonjour. Tu vas faire quoi? Aujourd'hui? Bah, je vais courir. Non, demain. Bah, je vais courir. On va courir beaucoup. Ah ouais? Ouais. Genre quoi? Genre combien? Genre peut-être 38, voire même 44 kilomètres. Alors, est-ce qu'elle est... Ah non, elle n'est pas assez serrée. Enfin, c'est un coup. Ah ouais. Et en combien de temps tu veux courir ça? 6 heures. 6 heures. 6 heures de trail. Bim, c'est parti. On m'a appuyé une pizza 80 ce soir. J'arrête pas à serrer ma chaussure. Oui, je galère. Oui. Je fasse la pause. Non. J'avais oublié avec ce soleil, faut mettre la casquette. Ah merde, je vois plus. Pour aller plus vite, l'aérodynamisme. C'est pas vrai. Si. Bonjour et bienvenue sur le Diabolique de Ragnar. Un trail de 6 heures. Et là on vise 38 ou 44 km. En fonction des jambes et de la santé. Voilà. Ils viennent de passer ici en 44-25. Très exactement au passage ici sur cette ligne. Première boucle de passé. 45 minutes. 5 minutes de moins que prévu. Le début de course est très bien mais c'est pas fini. Il fait chaud, c'est rare ici, mais il fait chaud. Ah oui, un journal de bord. Hein. Je suis à 8,5 km. Alors la course, pour information, elle fait, c'est une boucle de 6,4 km avec environ 270 mètres de dénivelé positif. Donc il y a pas mal de grosses côtes, une grosse belle descente pleine de gadou, donc celle que vous avez vue juste avant. Mais c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, je suis bien. Je suis assez confiant sur mes pronostics.
sur l'objectif que j'ai envie de faire. Mais on verra au fur et à mesure parce que le soleil va taper et la fatigue va arriver. Donc on verra ça. Deuxième tour fait, deuxième en 45 minutes, c'est génial, nickel. Si je continue comme ça, je suis dans ma perf, je suis dans mon temps prévu à la base. Bon bah c'est cool. 15 km de fait, dans les côtes on marche, on garde l'énergie. On va pas se niquer maintenant parce qu'il reste encore au moins 3 tours et demi, à peu près je crois. Et le soleil tape, et il va faire de plus en plus chaud. Troisième tour fait en 50 minutes. Un peu moins rapide, mais c'est normal. Et c'est plutôt bien, mentalement je suis bien. Donc la course devrait bien se terminer, j'espère en tout cas. 20 km, 2h28. Ça va toujours. On continue toujours de courir. Il fait beau. La mer est belle. La mer est calme. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Désolé, je mange, mais quatrième tour de fait, 25,5 km, 3h14. Je sais plus, je suis à combien au tour, mais j'ai dû perdre un peu. Là, je commence à être fatigué. On va atteindre les 30 km. On va voir si la fameuse barre des 30 km va être là ou si je vais réussir à la passer. Voilà, donc on en saura plus dans 5 km, tout simplement. Là, on a une belle descente, bien glissante, pleine de boue. C'est la descente de la chute. On va essayer de pas chuter, même si pour la vidéo, ça serait pas mal. Mais si on peut éviter, juste pour le confort de la fin de la course, ça serait magnifique. Regardez, je vous ai pas menti, putain, c'est de la grosse gadoue, ça glisse, putain, salaud, oh punaise. C'est bon, c'est passé, mais putain, regardez comment c'est beau, une descente comme ça, vue sur mer, ah. Là où je vais aller après ma course, direction la mer pour mettre les jambes dans l'eau froide. Mais on n'y est pas encore, il reste encore facile 2 heures de course. C'est super dur. Je suis pas un très grand trailer, je suis pas très rapide, j'ai pas une endurance de ouf, mais c'est des courses où qui se préparent quand même un minimum. Faut boire, faut s'hydrater, surtout pas oublier en plus dans des conditions comme ça sous le soleil. C'est un coup à faire une fringale et à rester couché en pleine montée ou même sur le plat. Donc dès que c'est dur, donne des conseils comme ça histoire de dire que je m'y connais, mais dès que c'est dur, faut marcher, reprendre des forces, faire des petites pauses. Voilà. Bon, voilà, je viens tout juste de passer les 30 km,
Ça fait 3h49 que je cours. J'en ai plein le cul. J'ai envie de vomir à chaque montée, à chaque grosse montée qu'on fait. Mais je tiens, je résiste. Là, il va me rester un peu moins de 2,5 tours. Donc ça fait qu'il va me rester, je crois, 14 km à faire. J'espère vraiment que je vais les tenir. J'ai mal aux jambes. J'aimerais abandonner, mais mentalement, si je fais ça, c'est mort pour moi, pour les autres compètes de l'année. Donc je vais jusqu'au bout pour me rendre fier, en fait. Tout simplement, ça fait 4h16 que je cours. J'ai fait mon 5e tour en 55 minutes. J'en ai marre. Mais il va rester 2 tours, enfin, moins de 2 tours maintenant. J'en peux plus. J'ai plus de pattes. C'est le chaos total. C'est important de se filmer quand on est mort, archi mort, mais qu'il va encore falloir la monter une fois, cette putain de côte. Alors, c'est dur? Ouais. Je suis mort. Bravo. Je vais refaire un tour. Bah, attends, oui. Je vais mettre une heure, mais c'est pas grave. C'est quoi le plus dur? J'ai vu la super montée en tout moment. Là. J'ai envie de vomir en haut toutes les côtes. Je sais pas quand ça va sortir, mais... Allez, tiens bon. On s'est plat, là. Ouais, bah, je vais courir. Ça y est, dernier tour. Enfin, j'en ai... Vraiment, mais vraiment, plein les pattes. Ah, tu pensais que j'allais dire plein le cul? Mais non, cette fois-ci, j'en ai plein les pattes. J'ai mal dans les descentes, dans les montées, et puis sur le plat. Voilà, j'ai mal tout le temps. On est en fin de course. C'est la dernière fois que je monte cette montée. Je dois prendre 70 mètres de dénivelé sur 150 mètres de long, je crois, un truc comme ça. Là, je suis en descente, je peux même plus courir. J'ai les genoux qui sont morts dans la descente, c'est horrible. Donc je vais monter la côte tranquille en haut, peut-être que je vais vomir, peut-être pas. Puis après, bah, je vais finir en marchant tranquillement et puis ça serait une super belle course pour moi. Voilà. On a terminé derrière, on a retrouvé... Ah, et où t'as plus. Ah, ton collègue est arrivé là. Ah, qui l'a, mais il est arrivé quand? Ah, tout à l'heure. Ah, d'accord, ok, pas de soucis. Vas-y, marche. Également, numéro 76. Hein? Et puis on termine à son tour. À l'issue de cette épreuve, les autres concurrents également. Mais encore. Le dossier numéro 35, Patrice. Non. En 6 heures. On va remonter ma voiture. Jogging. Ah, les malheurs de Charles. C'est bon? Ah la vache, regardez. Et puis tout le monde handicapé. Comment on va les mettre les pattes dans l'eau? Tu vas les mettre les pattes dans l'eau? Ouais. Moi je te regarde. Oh, comment ça va faire du bien. Là, ma médaille, je la garde près de l'océan. Je fais un bisou. T'es en contre-jour, mon amour. Ouais, pas grave.
froid, la vache. C'est froid, mais ça fait vachement du bien. Pour une récup en toute simplicité, le froid pour la circulation du sang. Enfin bref, voilà. Oui, et sinon, je fais 44,8 km en 6h et 8 minutes, je crois, environ. C'est une super belle course, très dure, beaucoup de dénivelé. Je vais mettre juste en dessous là combien de dénivelé, combien de kilomètres j'ai fait exactement. Et maintenant je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. Allez, salut. Tu doutes sur ce que tu fais car tout le monde te dit pas le faire. Tu kiffes sur ce que tu fais car personne t'a dit comment faire. Laisse-toi pas sur ton projet, ça plaît déjà à des gens. T'as dit comment t'aimes. Pour ça prendre du recul, regarde autour de toi, t'es pas tout seul.